J'ai engraissé. Je suis allé voir un nutritionniste pour qu'il m'aide avec ça. Il dit « Oui, oui, je peux t'aider. » Il dit « Le matin, tu vas manger du fromage cottage. » J'ai dit « Non! » Pas mal sûr que la phrase qui a précédé l'invention de ce fromage-là, ça a été « Fuck, j'ai raté mon fromage. » Moi, la première fois que j'ai ouvert un pot, je me suis dit « On dirait que je suis pas le premier à l'avoir mangé. » C'est sûr, c'est bon, perdre du poids. Quand t'as ça à la maison, tu dis « C'est beau, je mangerai rien. » Il y a des affaires de même dans la vie qu'on devrait arrêter de fabriquer comme la vaseline. Tout le monde là, son pot de vaseline. On a tout le même avec l'étiquette jaunie parce qu'il y a comme 60 ans. On se pose ça de génération en génération. T'achètes pas ça, un pot de vaseline, ça apparaît après un déménagement. Tu sais, quand tu vois ton grand-père arriver à ton déménagement, t'es comme, qu'est-ce qu'il fait ici? Il est même pas capable de soulever une boîte. Ben, il est venu te léguer son pot de vaseline. Il fait ça en cachette parce qu'il faut faire attention. Ça a de la mémoire, cette affaire-là. Ça garde l'empreinte des dernières choses. T'as trempé dedans. Ah, tu peux en dire beaucoup sur quelqu'un en lisant sa vaseline. Si c'est des petites traces en surface, c'est quelqu'un qui a les lèvres gercées. Si c'est des grosses traces profondes, c'est quelqu'un de curieux. Et mon grand-père était très curieux. Par applaudissement, qui a la carte Air Miles ici? Sacré votre camp! Non, mais à cause que toi, tu tripes là-dessus, là, à chaque fois que je vais dans un magasin, il m'a fait demander si j'ai la carte Air Miles, je perds 10 secondes. En moyenne, c'est 50 secondes par semaine, 43 minutes par année. Sais-tu qu'est-ce que je peux faire avec 43 minutes? C'est exactement le temps que ça m'a pris pour calculer ça. Avez-vous la carte Air Miles? Non, toi, est-ce que t'as la carte de points François? Avec 100 points François, tu gagnes un voyage dans le coffre de mon char. Le problème, là, c'est quand tu as toutes ces cartes de points-là, là, tu te retrouves avec un maudit gros portefeuille. Moi, je juge sévèrement les gars qui ont un gros portefeuille. C'est pas normal quand je te regarde que j'ai l'impression que t'as un club sandwich dans la poche. C'est toujours les mêmes qui utilisent la petite pochette à change à la pharmacie, hein? 9,95? Ben, avant de te donner mon 10 $, laisse-moi voir si j'ai le 95 sous! 5, 10... 15, tasse-toi, m'a plaqué! Moi, j'ai remarqué quelque chose à propos des portefeuilles. Plus ton portefeuille est épais dans la vie, moins t'es important. Si j'ai insulté des gens, je voudrais m'excuser. Je voudrais surtout pas que tu me lances ton hostie de gros portefeuille. Il y en a pour pas se le faire voler, ils ont une chaîne après leur portefeuille. Tu te le feras pas voler, on le sait que t'as pas d'argent. Si tu te sens insulté, m'en fous, t'essaieras de me le lancer. Moi, pour te montrer comment je suis important, j'en ai même pas de portefeuille. Moi, je traîne tout le temps juste 3 cartes dans ma poche, mon permis, ma visa et ma carte de points Inspire de la SAQ. Enfin, mon alcoolisme est récompensé. Mais je comprends pas pourquoi ils ont perdu une carte de points. C'est pas comme s'il y avait de la compétition, là, hein? T'es ému de me donner des points, sinon m'a acheté ma vodka du gars qui fait ça avec des patates dans sa chaîne. Ah, c'est pas parce qu'elle rend aveugle qu'elle saoule pas. La SOQ se fera pas voler le marché par ceux qui font du vin maison dans leur cave, là, hein? Avec des slogans du genre, on sait pas pourquoi, mais ils pétillent cette année. Je suis déjà allé dans un vin fromage. Je suis allé là à cause du vin, hein? Tu vas pas m'attirer dans ton party avec du fromage. Viens de chez nous, on va se péter en face au Baby Bell. D'après moi, tu peux mixer n'importe quelle activité avec de l'alcool, t'es parti. Organise un whisky, légumes, racines, je suis là. Absinthe, rapport d'impôt, la plus belle soirée de toute ma vie. Christy, que c'est fort de l'absinthe. J'étais tellement saoul, je cruisais le gouvernement à travers mes réponses. Dans Revenu, j'écris « Devine ce que je porte ». Je connaissais pas le concept des vins fromages.
tout le monde arrive avec un fromage, faut que tu le présentes. Après ça, tout le monde y goûte un petit peu, puis on jase de ce qu'on vient de vivre. Des adultes qui font des exposés oraux sur le fromage. Ah, celui-là, là, c'est le secret le mieux gardé de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est un fromage à pâte semi-ferme. Excuse-moi, Gisèle, mais avant que tu finisses ta phrase, je vais devoir m'ouvrir une autre bouteille. Les fromages sont sur la table toute la soirée, ça pue tellement, t'as l'impression de te saouler d'une chambre d'hockey. T'as dit, des fois, je croise un itinérant, c'est peut-être juste un gars qui sort d'un vin fromage. Ah, oh, vous devriez déguster celui-là avec ce petit Merlot 2008. Là, c'est une excellente année. 2008, une excellente année? J'ai perdu ma grand-mère pis un chien. Va chier! Hey, c'est pas pour rien que des vins fromages, les couteaux, ils ont tout le bout de tronc. C'est pour pas que je me le plante dans la gorge. T'es-tu en train de me parler du taux d'humidité de l'île aux grues? Et toi, François, qu'est-ce que tu nous as amené ce soir? Ben, je vais vous amener ce merveilleux fromage cottage. Ainsi que ce délicieux ficello sculpté en forme de fuck you. Ça paraît-tu que je suis de bonne humeur? Ah, pour vrai, je suis de bonne humeur. C'est parce que dernièrement, là, les gens arrêtent pas de me donner des bons commentaires sur mon look. Les gens me trouvent beau! Voulez-vous connaître mon truc beauté? C'est d'être vraiment laid pendant 10 ans. Après ça, tu te coupes les cheveux, puis les gens reviennent pas! Ils sont comme, mais est-ce que Jay du temps a un frère? Mais le plus beau commentaire que j'ai reçu, c'est définitivement ma blonde qui me l'a donné. Elle m'a dit, wow, maintenant, occupe-toi de ta barbe, puis je te promets, on recommence à coucher ensemble. Comme tu peux voir, je suis pas pressé. Tout le monde veut savoir comment on s'est rencontrés, moi puis ma blonde. J'étais dans l'autobus, elle m'a souri. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, toi, Chris? Elle a ri. Elle est venue s'asseoir à côté de moi, puis on s'est bien jasé. On a jasé. C'était vraiment le fun. À un moment donné, le chauffeur est venu nous voir. Il dit, j'ai fini mon chiffre. Mais il dit, c'est tellement beau vous voir jaser, là, que juste pour vous autres, m'a continué à chauffer. Il dit, où c'est que vous voulez aller? Les deux, en même temps, on a dit, Paris! Il a dit, pas de problème. Fait qu'il a pris l'autoroute direction Paris. Rendu à Gaspé, il m'a demandé ce qui était pour arriver, tu sais. C'est là qu'il y a une immense tortue des mers qui a sorti de l'eau. L'autobus est allé se parquer sa tortue. La tortue qui s'en allait justement à Paris. Oh, quand c'est Fred Pellerin, c'est correct, mais moi, je suis un asti de menteur! OK, on s'est rencontrés sur Internet, là. Sur le site de la dernière chance. Kijiji! Ah, y en a qui sont gênés de dire Tinder, imagine Kijiji! Pendant 2 ans, j'étais dans la section à donner! Tu sais, moi, j'avais jamais vécu avec une femme, fait que la première semaine où on habitait ensemble, je savais pas comment agir. À chaque fois que je la croisais dans la maison, j'étais comme « Bonjour, madame! » Maintenant, je suis habitué. Puis j'aime ça. C'est juste que le monde n'en revienne juste pas qu'on est ensemble. Même ma famille. Quand je l'ai présenté à ma famille, j'ai entendu ma mère lui chuchoter « Cligne 2 fois des yeux, c'était en danger. » Je lis beaucoup sur le couple, là, parce que moi, je veux rester avec ma blonde longtemps. Puis j'ai lu, il paraît que la plupart des couples se mentent régulièrement. Il paraît même que les hommes mentent 2 fois plus que les femmes. Ce que l'étude dit pas, c'est que les femmes posent 100 fois plus de questions. Au ratio, tabarnak, ça change la perspective, là, hein? Ma blonde ne parle qu'avec des questions, même pour m'informer de quelque chose. Elle va dire, vas-tu laisser traîner tes bas? Ça sonne comme une question, mais ça n'est pas une!
Mes parents viennent souper, vas-tu mettre des pantalons? Je vis dans un quiz. Si j'ai les bonnes réponses à ces questions, je gagne pas un voyage ou de l'argent. Je gagne le droit de continuer d'être heureux jusqu'au prochain quiz. Chaque mauvaise réponse m'éloigne d'un mois de ma prochaine petite gâterie. J'ai tellement hâte à juillet 2024! Hier, elle m'a fait jouer à son quiz, drôle de game. Elle m'a raconté une anecdote au complet, seulement avec des questions. À commencer par « Tu te rappelles de Sophie? » Je veux changer de catégorie. Elle dit « Tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé? » Ben, c'est bien chien comme question, ça. C'est bien trop flou. Tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme si t'arrives à un examen, là, pis sa feuille, c'est juste écrit « L'Argentine » point d'interrogation. J'ai-tu le droit d'appeler un ami? Elle avait un nouveau chum, il l'a laissé pour sa sœur. Tu peux-tu croire ça? Ouais. Ben, j'ai perdu la game. Il paraît que la bonne réponse, c'était l'écœurant. Ma blonde connaît toutes les réponses à toutes les questions du monde. Puis moi, j'aime ça, j'ai plus besoin de me poser de questions. Même souvent, le matin, je me lève, m'en vais à voir, puis je demande, « Chérie, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, moi, aujourd'hui? » Puis Christ, qu'elle me le dit. Comme l'autre jour, on me dit, « Toi, aujourd'hui, t'as le goût d'aller au centre d'interprétation de la courge. » C'est vrai, ce que je te dis là. J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ça? » Elle dit, « Ben, c'est comme aller aux pommes, mais aux courges. T'es sûr que j'ai le goût d'aller aux courges? » Mais je t'avertis, c'est toi qui conduis, parce que si c'est moi, je le sens, m'a visé un mur de béton. En arrivant au centre d'interprétation de la courge, là, j'étais tellement souriant, j'étais de même. Je me souvenais de ce que mon père m'avait dit à propos du couple. Il m'avait dit, François, le secret d'un couple heureux, c'est la capacité à refouler jusqu'à temps que la mort vous sépare. En arrivant là-bas, tu comprends pourquoi ça s'appelle demain. C'est parce que t'es dans un champ, puis il y a une petite cabane dans laquelle il va répondre à toutes les questions que tu pourras avoir à propos des courges, sauf la plus importante, qu'est-ce que je fais ici? Ils vont te parler de tous les types de courges. Hein. Ils vont parler de la citrouille, de la courge busquée, de la courge de Provence, de la buttercup, à ne pas confondre avec la butternut. Ça, c'est la courge busquée, je sais de quoi je parle. J'ai perdu un dimanche là-dessus. Ils vont parler de la poivrée, de la hubarde, de la carnaval, de la patidou, de la potiron, de la potimarron. Est-ce que j'arrête? Ça va finir en suicide collectif. Fait que tu sors de là spécialisé dans un domaine que tout le monde s'en calisse. C'est là qu'il y a un gars qui t'apporte une brouette. Ça fait pas aller mieux! Il dit, pour aller cueillir les courges que tu vas aller chercher dans le champ, tu vas pas les ramener avec ta brouette. J'ai dit, les courges! Sais-tu combien de courges j'ai mangé en 40 ans? Une! On m'avait menti, je pensais que je mangeais du spaghetti. Il n'y a jamais personne qui a mangé du citrouille au complet, puis après s'est dit « Wow, j'en aurais pris plus! » Ça finit jamais, manger de citrouille. Ils sont même rendus avec des recettes de graines de citrouille. Ça, c'est quelqu'un qui a mangé du citrouille, puis s'est dit « Christ, c'est pas mangeable, ça! » C'est sûr, c'est les graines qu'il faut manger! Hey, si un jour tu m'offres des graines de citrouille, moi, te réponds, si tu veux, je m'en aille juste à me le dire. Parce qu'après, on peut aller chez nous, là, j'ai tout gardé mes noyaux de pêche. On pourrait mettre ça sur une plaque. Mettre ça dans le four avec du sel. Gratiner ça avec des élastiques de brocoli. Puis étant donné que cette activité de couple, ma blonde, elle voulait absolument me tenir la main. Mais je peux pas. T'es en train de pousser une brouette avec une citrouille dedans. Fait qu'elle a mis sa main par-dessus ma main. On avait l'air d'un couple infertile qu'à toi et dimanche, je vais promener une citrouille pour combler le vide. On est revenu avec 42 courges. Puis ce légume-là, il se conserve à température pièce pendant des mois, voire des années, hein? Fait que ma blonde a dit, on va mettre un petit peu partout dans la maison, ça va décorer. On est parti du centre d'interprétation de la courge pour devenir le musée de la courge.
L'autre jour, j'étais en train de regarder nos bibelots qui se mangent. J'en suis à la conclusion qu'on n'en viendra jamais à bout. À ma mort, mon fils va hériter de mes courges puis de mon pot de vaseline. C'est une amie de ma blonde qui a parlé d'aller aux courges. Je l'aime pas, cette amie-là. Mais je veux pas qu'elle se reconnaisse. Fait qu'appelons-la Marcel Conn. Marcel Conn, elle est chum. Lui, je le déteste encore plus. Appelons-le Mérite pas de vivre. Parce que Mérite pas de vivre, là, c'est le chum idéal. Le gars romantique au naturel. Lui, il est du genre à faire des chasses au trésor à sa blonde. Il va lui dire, va à la bibliothèque, là. Retrouve le livre que tu préférais quand tu étais jeune. Puis quand elle ouvre ça, dedans, il y a une fleur séchée qui vient de l'endroit où ils sont embrassés la première fois. Ma blonde me raconte ça à Saint-Valentin pendant qu'on est au Pizza Hut. Au moment où je l'attache à ma ceinture. Moi, en faire une, moi, chasse au trésor, elle ne mérite pas de vivre. Moi, il dit, va à la bibliothèque, là, retrouve le livre que tu préférais quand tu étais jeune. Puis quand il va ouvrir ça, dedans, il va y avoir un message. Ça va être écrit derrière toi, mon amour. Puis quand il se retourne, c'est moi avec un couteau, puis je le pique. Puis quand il va faire, ah! Chut, on est dans une bibliothèque. J'aime pas ça, le monde romantique. Ça me rend inconfortable. Pas mon genre, moi, de faire ça. Moi, je suis plus du genre à dire à ma blonde, un matin, quand tu t'es réveillé, j'étais là. Je suis pas parti pendant ton sommeil. Bonne Saint-Valentin. Mérite pas de vivre, là. Il est du genre à faire des massages à sa blonde juste parce qu'elle a besoin de réconfort. Comment tu penses je me sens, moi? Quand ma blonde est menstruée, je dors dans le sous-sol avec un gun à plomb. Hey, pour fêter leur un an ensemble, un an! Mérite pas de vivre, là, il a gonflé 100 ballons avec sa bouche. Puis dans chaque ballon, il y avait un petit message d'amour écrit à la main. Tabarnak! Moi, l'affaire des ballons, j'aurais peut-être fait ça en nos 10 ans. Un ballon. Avec un message de déjà inscrit sur le ballon. IGA. Marcel Conn, elle se vante que son chum, il pète jamais devant elle. Il va tout le temps aux toilettes, lui, pour faire ça. Pas pour faire ça, moi. Parce que quand faut que je pète, ça presse. Puis quand je cours, je pète. C'est quoi qui est le pire? Péter devant sa blonde ou quitter une pièce rapidement en pétant? Fait qu'à cause de lui, là, à chaque fois que je pète, j'ai peur de perdre ma blonde. Fait qu'à chaque fois, faut que j'y fasse un compliment. Pff. T'es vraiment la femme de ma vie. Mais je te conseille de te mettre à courir parce que mon amour sent fort. Je l'aime vraiment beaucoup, ma blonde. Elle est magnifique, je la mérite pas. Puis c'est pas juste moi qui dis ça, tout le monde dit ça. Mais grâce à elle, je prends soin de moi. Je mange mieux. Je bois... seulement en cachette. Ah, il est temps que je prenne soin de moi. J'ai 46 ans. T'es allé faire mon check-up de la quarantaine. La game a changé, hein? Maintenant, quand j'ai mal à quelque part, je peux même pas te dire qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, quand j'avais 20 ans, là, j'ai mal à quelque part, là, c'est parce que je m'étais cogné, tu sais. Maintenant, quand j'ai mal à quelque part, c'est juste parce que j'ai fait l'erreur de vivre au-dessus de 35 ans. L'autre jour, je me suis fait mal au cou parce que j'ai regardé à gauche. Je me suis fait mal au cou parce que je l'ai utilisé! Puis depuis que j'ai 40 ans, mon médecin me pose des questions qu'il ne m'avait jamais posées avant. Comme l'autre jour, il m'a demandé comment étaient mes selles? C'est parce que c'est mon jardin secret, ça? Tu ne m'as même pas demandé comment moi j'allais. Tu dois être le fun à Noël, toi! Comment sont mes selles? Ils sont corrects, là? Ils sont pas comme « Wow! » Personne n'aime ça, parler de ses selles.
En fait, c'est pas vrai, hein? Tout le monde connaît une personne qui a juste beaucoup trop de fun à nous en parler. Hey, hey, hey! Oh non, pas lui! Hier, je chie un tronc d'arbre! Pourquoi tu me dis ça? Parce que ça a bloqué Longueuil au complet. Mon père, il habite Lévis sur le bord de l'eau. Le lendemain, il l'a vu passer droit devant ses yeux. Puis par-dessus, il y avait un draveur. C'est un manque de savoir-vivre de parler de ses selles. Je sais de quoi je parle. J'ai lu un livre, c'est Bonne manière, au complet. C'est ma blonde qui m'a dit que j'avais le goût de les ça. Ça m'a fait réaliser que je n'en connaissais pas beaucoup, ces bonnes manières. Ça a l'air que quand tu es en conversation avec quelqu'un, là, il faut que tu regardes dans les yeux de ton interlocuteur 60 % du temps. Ça a l'air qu'en bas de ça, tu n'as pas l'air assez intéressé, puis au-dessus de ça, ça commence à être de l'intimidation. Si le gars te regarde 100 % du temps, je te recommande de toi aussi la regarder 100 % du temps. Je le trusterais pas, ce gars-là. Probablement qu'un petit moment d'inattention, puis bang, il se met à sucer ton lobe d'oreille. Je sais, je l'ai déjà faite. Hey, 60 % du temps, c'est difficile à gérer. Là. Je ne sais pas combien de temps qu'on va se parler. C'est quoi, faut que je fasse des tranches de 10 secondes? Dès que tu commences à parler, je suis comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Pour l'avoir faite quelques fois, ne pas compter à voix haute. Puis ils disent pas quoi faire avec le 40 % qui reste. Dis-moi quoi faire. Pas mal sûr que je peux pas passer de la regarder des yeux à « Ah, enfin un break! » Hey, même de dos, il pue de la gueule. Hey, l'autre jour, je parlais avec un gars, il m'expliquait qu'il parle 6 langues, mais il puait tellement de la gueule! J'ai demandé parmi les 6, y en a-tu une qui sent moins fort? Pas si tu me dis que c'est l'anglais, on va switcher, là! T'as pas remarqué depuis tantôt, je te regarde de côté comme un lézard? Finalement, on portait des masques, puis c'est moi qui pue de la gueule. Il parle beaucoup des parties dans mon livre « Des bonnes manières ». Ça a l'air que quand tu organises un party chez vous, c'est jamais toi qui décides quand il se termine, c'est tes invités. Ils donnent des petits trucs pour leur laisser savoir que c'est peut-être le temps que ça finisse. Ils disent que tu peux leur demander un dernier petit café pour la route. Si t'es comme moi, tu le mets dans un gobelet pour apporter. Puis tu vas mettre ça dans son char. Ça marche pas, ils recommandent de bâiller à répétition. Jusqu'à temps que les invités comprennent, moi, je rajouterai un petit message dans le bâillement. Genre, décalisse. Ça marche pas, ils recommandent de fermer les lumières progressivement. Moi, je les fermerais toutes d'une shot. Puis après, tu prends deux flashlights et tu pointes la sortie comme ça. Puis tu continues de bâiller. Décalisse. Si après, ils sont encore là, sors la friteuse, mets le feu, tabarnak! Il y a une seule exception. S'il y a quelqu'un qui a trop bu à ton party, t'as pas le droit de le laisser partir toute seule. Il faut absolument que tu l'invites à coucher à la maison. Moi, c'est drôle, hein? Mais quand je suis dans un party puis je suis sous, les gens insistent pour que je prenne mon char. Tu dormiras pas bien ici, prends ton char. Je suis venu à pied, prends mon char. En passant, je suis pas le seul qui sait pas vivre, on est une méchante gang. L'autre fois, j'étais à l'aéroport, je faisais la file avec ma petite valise, il y a quelqu'un qui m'a dépassé. Il m'a contourné, il est venu s'installer en avant de moi. Je me suis dit, mais il est vraiment pressé de mourir. Puis, il y avait une coupe Longueuil. Je m'en souviens très bien, ben, je me suis dit, dépasse-moi pas avec cette coupe de cheveux-là, tu me donnes de la pogne pour que je te ramène en arrière. Et pour une des rares fois, j'ai été poli. J'ai dit, excuse-moi, mais j'étais là avant toi. Puis, dis-moi pas que c'est parce que t'es pressé. Clairement, t'as arrêté de vivre en 86. Le gars m'a répondu, grunge, protouche, coconne! J'ai
excuse-moi, mais je parle pas le Star Wars. Mais parce qu'on n'était pas capable de se comprendre, ben il a gagné, il a gardé sa place. Je me suis promis que c'était la dernière fois que ça m'arrivait. Je suis allé m'acheter un livre. Ça s'appelle « Insulte à travers le monde ». Comment insulter son prochain en plus de 200 langues? Je l'ai lu au complet. Mettons, t'es en Serbie, toi, OK? Puis il y a quelqu'un qui te fait chier. Si tu veux répondre correctement, tu dois utiliser une insulte locale. Ça a l'air que tu peux lui dire « Je te souhaite que ta femme donne naissance à 1000 pattes pour que tu aies travaillé toute ta vie pour payer ses souliers. » C'est long comme insulte, hein? Tu sais, quand le gars qui se fait insulter, il a le temps de faire « Oh, mon tabarnak, toi! » Au Japon, tape-toi la tête sur un coin de tofu et meurs! Tu peux te cogner la tête sur du tofu que tu peux mourir, c'est en mangeant que tu peux perdre le goût de vivre! Iran, ne mets pas de melon d'eau en dessous de mes aisselles! Tu me donnes le goût de le faire! Ça a tellement de l'air rafraîchissant! Prochaine canicule, je le fais, mais on me rajouter un petit clim entre les fesses. Quand elle va parler, ça va faire de la buée. Dans les Antilles, le vagin est muet, le ventre est bavard. Elle est en retardement, celle-là, hein? Faire dire ça, tu dois être comme, toi-même. Tu pars, mais ça te reste dans la tête toute la journée, hein? C'est comme, c'est-tu bon ou mauvais que mon vagin soit muet? Qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent, mon vagin? Assis-toi pas là, il y a une gomme! Puis depuis quand que j'ai un vagin, moi? Brésil, tu es si moche que tu devrais raser ton cul et marcher à reculons. Merci pour le conseil! Très hâte de voir la réaction des passants. J'ai vu Bellefeuillère, il paraît bien. Il a rasé sa barbe. Il mangeait une lime. Bulgarie, ta mère fait des fellations à des ours dans la forêt. Elle est plus rough, celle-là. Moi, me faire dire ça, je serais comme, hein? Ça va se prendre court, là? Combien d'ours, exactement? Parce qu'un ours, une fois, c'est peut-être une erreur de jeunesse. Mettons, t'es au chalet avec tes amis, là, vous jouez à vérité conséquence. Dangereuse, cette Christie Dieu-là, là! Est-ce que tu l'aimes, David? Je vais prendre la conséquence! Ben, la conséquence, ça va être d'aller donner une coupe de lichette à Balou dans le bois! Pourquoi il spécifie « dans la forêt »? C'est-tu moins pire au zoo? Papa, qu'est-ce qu'elle fait, la madame? Elle est en train de gâcher nos vacances, c'est ça qu'elle fait, la madame? Il faut être déterminé. Moi, j'ai vu le film Le Revenant avec Leonardo DiCaprio. Il se fait donner toute une volée par un ours. Pas mal sûr que ça aurait été pire s'il avait essayé de le sucer. Y en a-tu qui ont des punaises de lit à la maison? C'est une question que ça demande. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des punaises de lit, c'est une MTS pour les gens qui couchent avec personne. Tellement peur de pogner ça, moi. C'est parce qu'en tournée, là, tout est rendu dans les hôtels. Moi, mon truc pour savoir s'il y a des punaises de lit dans ma chambre d'hôtel, j'envoie de mes techniciens faire une sieste dans ma chambre. Puis s'ils sortent de là en se grattant, ben, ils viennent perdre sa job. La plupart de mes techniciens partent de leur propre gré parce qu'ils trouvent ça weird d'aller faire une sieste dans ma chambre pendant que moi, j'attends debout dans le bain. Ils disent que pour savoir s'il y a des punaises de lit dans ta chambre d'hôtel, faut que tu regardes s'il y a des traces d'excréments ou de sang dans le lit. Pour avoir dormi quelquefois dans des motels en Beauce, il va falloir que tu sois plus précis que ça. Il paraît qu'il y a une substance hallucinogène dans la punaise. J'ai vu aux nouvelles qu'il y a des gens qui fument des punaises de lit. Si tu me crois pas, tu iras googler ça.
pas à job, là, tu vas passer pour un hostie malade. Hey, on s'entend-tu que juste avant de prendre ta première puff, là, il doit y avoir une fraction de seconde où tu réalises que t'es peut-être pas exactement où tu voulais être dans la vie? Le premier qui a pensé à faire ça, ça devait être quelqu'un qui était en manque de drogue, mais il y avait un gros problème de punaise à maison. Puis il s'est dit, je pourrais peut-être régler mon premier problème en fumant mon deuxième problème. Christy, que j'ai des bons flashs quand je bois de l'alcool à fondu. Mais j'ai compris quasiment de penser à fumer ça. C'est pas tuable, ces bébites-là. C'est comme la coquerelle. La coquerelle, si tu coupes la tête, son corps peut continuer à vivre 9 jours. Elle meurt de faim. Chance qu'on n'est pas de même, nous autres. Là. Imagine, tu étais à job, là, tu vois Jacques rentrer, pas de tête. Tu dis, oh non, c'est notre dernière semaine avec lui. À l'heure du lunch, il est tout seul devant sa sandwich. Puis il se passe rien. Moi, la bébête qui me fait le plus peur, c'est l'araignée banane. C'est une araignée qui aime ça se tenir avec des bananes. Puis elle est venimeuse. Puis son venin cause, écoute-moi bien, des érections longues et douloureuses. Ça a attiré mon attention. C'est pas un drôle de système de défense. C'est comme si quelqu'un vient m'attaquer. Attaque-moi pas, m'a te faire bander! Là, les gars qui sont ici, là, avant d'aller vous rouler dans le rack à bananes, j'aimerais vous rappeler que j'ai dit érection longue et douloureuse. Érection et douleur, hein? Deux mots qui vont pas ensemble. Comme manège et diarrhée. Expérience personnelle. J'étais à la ronde. Faisait comme 1h30, je faisais la file pour aller aux toilettes pour réaliser au bout que c'était la file des montagnes russes. Disons qu'en sortant du manège, il n'y a personne qui a acheté la photo. J'ai failli l'acheter pour la donner à mon médecin. Pareil qu'à cause de l'environnement, il y en a qui se sont mis à manger des insectes. Là. Genre, pour les protéines, là. Au lieu de manger un steak, là, ils vont manger des grillons. Moi, je mangerais peut-être ça, des grillons, mais jamais des mouches. Tellement dégueulasse, une mouche! Comment quelque chose avec autant de yeux est juste capable d'atterrir dans des tas de merde? Il en parle beaucoup d'environnement des médias, je ne sais pas si tu as remarqué. Votre résumé, c'est quoi le message, OK? Ça va très mal. Puis si on veut faire quelque chose, il est trop tard. Hey, moi, ça fait 20 ans que je recycle, puis tu me dis que j'ai fait ça pour rien? Sais-tu combien de pots de beurre de peanut j'ai lavé en 20 ans? Zéro, puis je suis crissement fier de moi. Quand tu fais ça, tes mains sentent tellement le beurre de peanut, là. Si tu croises un enfant, prends pas de chance, épipène direct dans le cou. Tout va bien aller! J'aimerais s'en faire plus pour l'environnement, mais je suis pas fiable. Je suis pas fiable. J'ai réalisé que tous les trucs écolos que je fais, c'est pour mes enfants, mais si ça peut prolonger leur sieste, m'a laissé rouler le char. J'ai pas de bon sens. Je suis comme un diabétique qui mange un gâteau en regardant ses orteils tomber. On dirait que mon système de valeur est tout fucké. J'ai réalisé que j'aime les ouragans. Triple tu bien raide. À cause de la télé, les nouvelles, me suis mis à capoter ces ouragans. Vers la fin de l'été, là, devient excité comme pendant une série, hâte de voir quelle ville va être éliminée. Oh, moi, je veux voir des toits qui arrachent, des chars virés à l'envers, un journaliste qui combat le vent! Mais j'aime pas toutes les catastrophes naturelles. Ben non, tu sais. J'aime pas les inondations. Je trouve ça plate. Tout le temps, même affaire. Des sacs de sable, du monde qui s'entraide. Un journaliste avec des bottes de pêche, là, hein, qui m'explique que d'habitude, la rivière, elle arrête site, ma tabarnak! Moi, je veux voir un gars d'état de choc qui m'explique que d'habitude, sa maison est ici. Mais là, elle est plus là!
Lui, il exagère pas quand il dit que sa femme est partie avec la maison. Là, il paraît que l'avion, c'est super polluant, puis il faudrait arrêter de prendre l'avion. Bien, arrêter de prendre l'avion, là, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse en gang, là, hein? Parce que j'ai pas le goût d'être le gars qui reste ici pendant que tout le monde s'en va pas de Takana, là, hein? Le seul cave qui est pogné à nourrir tous vos chats. J'ai pogné un coup de soleil, ton chat m'a donné la gale. Tu savais-tu ça, toi, qu'il y a du plastique dans les vêtements? Hein? Le polyester, le lycra, le nylon, il y a du plastique là-dedans. Puis quand tu laves ça dans ta laveuse, ben, il y a des petites particules de plastique qui se détachent de tes vêtements. Ça se retrouve dans l'eau de la laveuse, ça se retrouve dans les rivières, dans le fleuve, dans la mer, ça se retrouve dans le plancton, puis dans tout ce qui mange du plancton, puis c'est grave! Ce que j'essaie de te dire. Les leggings. Déjà qu'on savait que ça fait pas bien à tout le monde. T'es en train de te dire que le problème est plus grave qu'on pensait. Ça tue des baleines. Ce qui est ironique quand même. En passant, cette joke-là, c'est pas moi qui l'a dit, c'est toi qui l'as pensé. C'est la seule manière de faire des jokes de même en 2022. Je t'ai donné tous les ingrédients pour faire la blague. Tu l'as faite dans ta tête, puis tu t'es outré par toi-même. Tu iras te canceller sur Facebook. Moi, j'en porte pas de leggings. Moi, je porte toujours la même paire de jeans. Là, je sais, il y en a qui vont dire, je comprends ce qu'il veut dire. Il y a un modèle qu'il aime beaucoup, il en a acheté plusieurs, il fait une rotation. Non! Je porte toujours la même paire de jeans. C'est même cette paire de jeans-là que je porte quand je fais mon lavage. Ça se salit pas des jeans, y a-tu juste moi qui a remarqué ça? Mettons, j'ai une tache de moutarde ici, là, j'ai juste à continuer de porter pendant une couple de jours, puis ça disparaît tout seul. C'est le pouvoir auto-nettoyant des jeans. Si après deux jours, c'est encore là, gratte un peu, puis ça va partir. Meilleur pantalon au monde. Sauf pour les tout petits. Les tout petits, c'est pas confortable, il y a trop de coutures, tu sais. Quand la moitié de ton jeans, c'est des coutures. C'est sûr de voir la misère à plier les jambes. Hey, l'autre jour, j'ai vu un petit gars de 2 ans avec des skinny jeans. Il avait les jambes bourrées! Je suis comme un gars avec des échasses! Puis tu voyais dans sa face, il était en train de se dire « La vie, c'est de la merde! » Il y avait une couche lavable. C'est tellement gros, ces couches-là. J'avais l'impression de regarder les jambes d'André Sauvé que le cul de Kim Kardashian. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont pas commencé à fabriquer des bancs de char en jeans. Hein? Tout le côté pratique du cuir avec le confort du jean. Enfin, je pourrais être tout nu dans mon char. En passant, il n'y a rien là être tout nu dans un char. Mettons, je passe en face, là, j'aurais l'air d'un gars en bédaine. C'est quand je croiserais un VUS que ça deviendrait intéressant, hein? T'as voulu te sentir supérieur en étant plus haut que tout le monde? Ben, tu vas en subir les conséquences. Tu vas devoir réapprendre à vivre avec le souvenir de ma graine. C'est une région de mon corps qui n'a pas vu le soleil en 40 ans. C'est un mélange de beige très, très pâle et de rose bonbon. Ça ressemble à un petit bébé souris qui vient tout juste de naître que t'aurais déposé sur un nid d'oiseau. Avec 2 œufs de caille. J'aurais aimé que les années que la petite souris agrandisse un peu, hein? Mais non, c'est juste le nid qui prend l'expansion. En passant, j'ai vérifié que t'as le droit d'être tout nu dans un char. Il n'y a rien dans le code de la route qui t'empêche de le faire. T'as même le droit d'être tout nu sur une moto. T'as même le droit d'être tout nu sur une moto, faire des cercles autour des postes de police en leur faisant des bye-bye. Tout est légal si tu portes un casque. Là, je sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais selon le code civil, t'as pas le droit d'être tout nu en ville. Ouais, mais c'est pas écrit dans le code de la route. J'ai découvert un flou juridique. Pas avocat, là.
Mais d'après moi, si tu sors de ton garage déjà assis tout nu sur ta moto, tout est légal si tu mets jamais le pied à terre. Mon fils va être le seul petit gars au monde qui ne trippera pas à voir son père venir le chercher en moto à l'école. Surtout, va falloir qu'il embarque pendant que je suis en mouvement. Rate pas ta shot, mon gars, parce que sinon, je repose devant tes amis! Anyway, c'est normal pour un parent de faire honte à ses enfants de temps en temps. Ma mère le fait encore avec moi régulièrement. L'autre jour, souper de famille. Ma mère arrive avec des dessins que j'ai faits à l'âge de 8 ans. J'étais tellement gêné, j'étais humilié. Là, tu vas dire, ben voyons, c'est cute ça. C'est parce que toi, tu sais pas ce que je dessinais à l'âge de 8 ans. Moi, te les montrer. Mon premier dessin, c'est un cow-boy qui se tire 3 balles dans l'œil. Avec son fusil spécialement conçu pour se suicider. En le regardant, tu comprends l'importance d'avoir des épaules, hein? Difficile de dire, c'est qu'à l'époque, mais d'après moi, c'est pas pendant le Far West parce qu'il porte un chandail bedaine. Probablement un cowboy qui sort d'un rave. Peut-être pour ça qu'il va en finir, là, ça doit être douloureux danser toute la nuit sur des aussi petits pieds. Ça doit pas aider quand la seule affaire que t'as réussi à te pogner ce soir-là, c'est cette affaire-là. Lui, on dirait qu'il est en train de dire, non, non, fais pas ça, moi, je suis heureux, même si le derrière de ma tête, c'est en même temps mon cul. Le plus inquiétant là-dedans, c'est que ça, c'est mon dessin le plus normal. Mon deuxième dessin... C'est écrit avec un maximum de fautes, Superman, le plus fort au monde, avec son pénis. T'as beau être le plus fort au monde, c'est parce qu'en ce moment, il coule ton pénis. Laisse faire la kryptonite, ton problème, c'est ta prostate. En bas à gauche, je sais pas c'est quoi. Mais ça semble être du sexe féminin. À moins que ça en bas, ce soit un petit grain de café. On dirait une chauve-souris tout nu. Couche pas avec, Superman, elle va te donner la rage. C'est peut-être Batgirl. Ça ferait du sens parce qu'ici, on a Wonder Woman. Là, je sais, t'es en train de te dire tes vulves étaient pas super bien dessinées. Donnez-moi une chance, j'avais 8 ans, je dessinais ça de mémoire. Ça a l'air que dans mon souvenir, la vulve se portait à l'intérieur de la cuisse gauche et possédait un seul poil très frisé. Ici, on a l'auto-toton. Comment je t'expliquerais ça? C'est un concept automobile propulsé par 5 totons. On le voit pas, là, mais me connaissant, pas mal sûr que la suspension est en pénis. On semble avoir une petite crevaison ici. Puis quand tu regardes le chauffeur, tu dis l'expression « tête de gland » lui va à merveille. Bon, ça, je sais pas c'est quoi, mais je suis juste heureux de voir qu'il n'y a pas de nudité dans mon dessin. À première vue, j'avais dessiné une vulve! Mais j'ai décidé de l'effacer. Aucune idée pourquoi, je sais juste que Super Spring Pénis, ça c'est incorrect. Ainsi que Super Spring avec 1000 pénis! J'ai bien dit 1000 pénis! Ça ici, c'est Super Maman et c'est écrit Super Maman arrive à ta rescousse avec son pénis. Je te garantis que ce dessin-là n'est pas resté longtemps sur le frigidaire. Elle est en train de pisser de pierre au rein. Puis elle porte la mini-jupe, hein? Je veux pas faire mon genre, elle dit, mais quand on voit que 80% de ton pénis est trop courte, ta jupe. Ça, c'est pour reposer vos yeux.
Mes enfants ont commencé à dessiner. À chaque fois qu'ils attrapent un crayon, j'ai la chienne. Mon fils s'appelle Milo. C'est ma blonde qui a trouvé le nom. Mais elle m'avait dit que j'avais un droit de veto. Moi, je savais pas. J'étais comme Milo. Milo. J'ai dit, laisse-moi sortir dans le quartier, m'aller le crier, voir comment je me sens. Fait que j'étais comme, Milo! Milo! J'aimais ça. J'ai cette technique-là pour nommer quoi que ce soit depuis que j'ai eu une petite chienne que je vais appeler Thérèse. Elle était super cute, la petite Thérèse. Elle allait super bien jusqu'au jour où je la perds dans le quartier puis je me mette à la chercher en criant son nom. Thérèse! En reviens à la maison, Thérèse! Si tu reviens à la maison, papa va te donner une ganterie, Thérèse! C'est votre femme, ça, Thérèse? Non, c'est juste une chienne. Quand mon fils avait un an, j'ai commencé à le lancer dans les airs, comme ça. Hey, je me disais, il doit penser que je suis l'homme le plus fort au monde, je lance des êtres humains. Puis après, je me suis dit, c'est quand même fucké de faire ça. Hein? C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Je pense que je le ferais même pas une fois avec mon téléphone. Hey, à cet âge-là, là, quand il était sur mes épaules, il était tellement fier d'être sur les épaules de son père, on aurait dit que rien pouvait l'atteindre, sauf les cordes de porte. Je suis pas l'homme le plus fort au monde. Hey, les gars au gym, là, ils forcent pour faire sortir leurs muscles. Moi, je force pour garder mes hernies à l'intérieur. J'ai fini par s'en rendre compte. Il m'a déjà vu me pencher pour ramasser mon biscuit, m'agripper après une chaise pour me relever, rendre à moitié prendre une pause pour manger mon biscuit, puis rester pogné de même pour le reste de l'après-midi. Il m'a déjà vu prendre sa sœur de 9 mois juste pour écraser une araignée. C'est encore bon que je plie les genoux pour ramasser mes enfants. Les enfants des autres, je les prends par la tête. Ma fille s'appelle Dali. Puis elle l'a rough, Dali. Son frère est rough avec elle. Il la pousse, il la frappe, il pile dessus. Au début, je pensais qu'il était jaloux. Non, il veut s'en débarrasser. Et l'autre jour, dans de la plasticine, j'ai reconnu le visage de ma fille. Hey, c'est pas facile la vie pour elle. Là. C'est comme si tu vivais avec un coloc. Là, t'es dans la cuisine, tranquille, tu bois ton café. Ton coloc, il rentre dans la cuisine, prend ton café, il boit, puis après, il te frappe avec la tasse. Puis le soir même, t'es obligé de prendre ton bain avec. Puis mon fils, ça cache même pas qu'il est méchant avec elle. L'autre jour, je dis, Milo, t'as-tu frappé ta sœur? Il fait comme, oui. Je veux qu'il arrête, mais en même temps, c'est important de dire la vérité. Fait que j'y ai dit... Papa va aller dans le coin et réfléchir à ce que t'as fait. Tu sais, c'est des petites affaires, mais à un moment donné, il va payer pour. À un moment donné, là, ils vont jouer à cachette, là, il va se cacher dans la laveuse, elle va le trouver, puis elle va partir un cycle. Elle va regarder le bouton délicat, elle va se rappeler de la plastine, puis elle va y aller Evelode. Hey, c'est grave, je peux pas y laisser 5 minutes sans surveillance. Fait que quand je vais aux toilettes, j'amène mon gars avec moi, puis j'ai dit, t'as choisi d'être méchant avec ta sœur, ben habitue-toi à regarder chier ton père. C'est un truc qui marche parce qu'il est petit, là, hein? Commence pas à faire ça que ton gars de 16 ans, là! Il va sortir son téléphone, tu vas te retrouver sur TikTok! C'est pas facile d'être le parent d'enfants aussi jeunes, t'sais, des petites éponges à cet âge-là, faut toujours que je me check! Ma fille, à 2 ans, elle disait le mot tabarnak avant le mot grand-maman! En fait, quand la belle-mère, elle arrive, c'est encore ça qu'elle dit, tabarnak! Je pense à pas, je le disais fort. Fait que là, faut que j'arrête de sacrer, il me reconnaît plus. L'autre jour, il y a quelqu'un qui nous a coupé en char, les traités de brocolis trop cuits. Je peux plus faire de fuck you en char. Fait que maintenant, je donne des becs, mais avec l'attitude des fuck you. Coupe pas en char, m'a bécoté sur 15 kilomètres. À la maison, je suis pogné pour dire des affaires comme « sapristi ». Puis j'ai réalisé que de dire « sapristi », je pense qu'il n'y a rien qui me met plus en tabarnak. Pas de solution pour me dire « sapristi », ça fait juste aggraver le problème.
C'est un peu comme quand t'as un petit peu de peau sèche là, sur le bord de l'ongle. Tu sais, une petite languette de peau sèche. Là. Il y en a qui appellent ça un cuticule. Moi, j'appelle ça un reculon. Tu sais, là, ça s'accroche dans tes vêtements. Tu te dis, la solution, ça doit être de te tirer dessus. Qu'est-ce que non! Ça fait comme un ficello avec ton doigt! Pis tabarnak que ça fait mal! Tu te dis, j'ai-tu tiré ça un nerf? Mais après 4 mois, on oublie, hein? Après 4 mois, on est comme, ah, j'ai un petit peu de peau sèche ici. Ah! Fuck, j'ai vu l'os! On connaît tout un gars qui manque un bout de doigt, hein? Il dit tout à l'heure, c'est parce que je me suis pogné la main dans une machine à la shop. Ouais, ouais. Pas mal sûr, c'est un reculon qui a mal viré. Check bien ce qui m'est arrivé avec mon gars, OK? Quand il avait 3 ans, on venait juste d'enlever sa couche, OK? Il faisait juste pipi assis sur le petit pot à cette époque-là, puis on était en camping, dans le bois, mais on avait oublié le petit pot. Fait qu'à un moment donné, il vient me voir, il dit, papa, j'ai envie de pipi. Je regarde autour, il n'y a pas de toilette. T'sais. Fait que je me dis, ben, je pense que c'est là qu'il va apprendre à pisser debout, hein? Pas question que je fasse ça avec mes bras pour qu'il pisse assis, là. T'es content de vivre ce moment père-fils-là, tu sais? Je me suis dit, il va pouvoir y transférer des décennies de savoir et d'expérience. Je ne vais pas me vanter, mais je suis bon pour faire pipi. J'ai un jet qui est précis et fort. Assez fort pour tuer un petit mulot. Il faudrait que je le pogne au moment où il est en train de boyer. Je sais que c'est bizarre. C'est pour ça que quand on me demande à quoi je pense, je réponds pas. Il est venu voir la meilleure personne pour lui expliquer comment faire ça. Hein? Je suis bien meilleur que ma blonde. J'ai déjà vu ma blonde pisser accroupie sur le bord de l'autoroute. J'aurais jamais dû regarder, je suis resté traumatisé. En passant, je voulais pas regarder, là. Je suis pas effoqué qui regarde tout le monde pisser, là. Hein? C'est le son qui a attiré mon regard. Je me suis dit, y a-t-il quelqu'un qui est en train de nettoyer l'autoroute à hausse à pression? Le jet! Qu'est-ce que c'est ça? C'était pas comme un jet, c'était comme un mur! Puis il y avait comme une twist dedans! Une chance, c'est elle qui avait les clés du char, puis je la laissais là, puis sacré mon camp! Je la laisse faire sa vie dans le bois, là, avec les chevreuils, puis tous ceux qui pissent comme elle. Il y a tellement de pression là-dedans, quand ta pisse assise à la toilette à la maison, ça doit faire comme Moïse, ça sépare les eaux. Tu sais, mon fils a 3 ans, là. Faut que je me dépêche, OK? Il peut pas s'en tenir longtemps. Fait que je fais comme, écoute-moi, OK? Faut que tu baisses tes pantalons. Après ça, tu plies les genoux. Pour pouvoir shaker à fin. C'est comme ça qu'on fait quand on a de la classe. Il y a des gars, les dégueulasses, ils te font ça, les genoux barrés de même, là, hein? Comme si c'était pour fermer un pot de peinture avec leur pénis. Regarde de quoi t'as de l'air à l'urinoir. Ça, ça a de la classe. Fait que tu plies les genoux, tu tiens ton pénis, puis tu pisses, tu sais. Tout était là, je me suis dit, que ce qui pourrait mal aller? Il est en avant de moi, OK? Ou t'es en arrière, d'un coup, qui se passe de quoi, tu sais? Après 10 secondes, il est comme, ah, pas capable! Pas capable! Pas capable! Je regarde, il tenait son pénis tellement fort! Comme si son pénis, il devait de l'argent! C'est ton dernier avertissement! Le bout était rendu blanc, tu vas le perdre! J'y lâche son pénis, le jet était tellement fort, ça assied de fougère! Mais tu sais, quand j'y ai demandé de lâcher son pénis, lui, il a mal, il a 3 ans. Il a pas juste fait ça, il a tout lâché. Il s'est projeté par en arrière. Une chance que j'étais là, j'ai pu l'attraper, tu sais, mais lui, il continue à pisser de même. Pissait comme Éric Lapointe à 4 heures du matin. Il en avait partout ses pantalons, sur ses souliers, sur sa sœur qui jouait d'un fougère. Personne n'a été blessé. Bon, je sais que ça te stresse pas, mais moi, ça me stresse. Je suis hypochondriaque, ces affaires-là. Ça m'inquiète. Puis c'est pas le fun pour ma famille. Check bien ce qui est déjà arrivé, là. Il n'y a pas longtemps, j'écoute la radio, OK?
Il y a un gars de 46 ans qui dit qu'il a le cancer de la prostate. J'ai 46 ans. C'était assez. J'arrive dans la cuisine, m'engueule avec ma blonde. Pas le temps de me demander de vider le lave-vaisselle, je viens d'apprendre que j'ai le cancer de la prostate. Elle dit, excuse-moi, je pensais que c'était le diabète qui t'inquiétait. Non, ça, c'était la semaine passée, puis c'est guéri. Suis, tabarnak, suis. J'appelle la clinique, la secrétaire me dit que le médecin n'est pas là avant lundi, puis elle veut pas me donner l'adresse de son chalet. Ah, ça se fait qu'il n'existe pas des endroits là, où on peut aller se faire comme test à prostate, là, dès qu'on est inquiet, sans rendez-vous, là. Un peu comme les tests COVID à l'auto, là. T'arrives là en char, tu te sors les fesses par la fenêtre, puis le gars qui est là, ben t'espères que c'est un médecin. Il y aurait trois résultats possibles. Tout est beau, va voir un neurologue, puis voyons, c'était Tim Hortons, zit! Moi, je suis sûr que c'est un concept qui fonctionne. Je connais ça, moi, les palpations de prostate. Je suis un ancien vétérinaire. Palperais les prostates de chien non-stop avant. Ben pas non-stop, là, tu me comprends, là, mais... Puis, tu sais, je t'inquiète, tu sais, puis je me suis demandé, est-ce que je serais capable d'évaluer ma propre prostate, tu sais? Mettons, je m'imagine que je suis un grand Danois. Même si j'ai plus mon droit de pratique comme vétérinaire, pense pas me faire poursuivre. Parce qu'il faudrait que le propriétaire de l'animal poursuive le vétérinaire. Je suis cette ou personne. Tu le sais que tu fais quelque chose de weird quand il n'y a aucun tutoriel sur YouTube là-dessus. Fait que je ne l'ai pas fait. Non, parce que je me suis dit, mettons, je le fais, là, puis je trouve quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire après? Je ne peux pas rappeler à la clinique, là? Hey, j'ai une bosse, sa prostate. Qui vous a examiné, monsieur? Tu veux pas me dire, il est où son chalet? Je donne pas mes sources. Puis je suis tellement hypochondriaque, j'aurais voulu un deuxième avis le plus rapidement possible. Je serais allé voir mon voisin. J'ai déjà passé du sucre. Ben, c'est aujourd'hui que tu payes ta dette. Coupe-toi les ongles, puis viens me rejoindre dans le garage. J'ai décidé d'aller voir un psy à la place. Il y en a qui ont honte hein, de dire qu'ils voient un psy. Moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que personne n'est surpris. Je dis que je vois un psy, tout le monde est comme « Phew! » Même mon psy n'était pas surpris. Il m'a vu arriver, il m'a dit « Monsieur Bellefeuille, ça fait 8 ans que je vous attends. Je vous ai vu à télé, j'ai ouvert un dossier. » Je parlais de l'histoire de la prostate à mon psy, puis il m'a demandé si j'avais peur qu'un jour que mes enfants aient honte de moi. J'ai dit non, je sais qu'ils vont avoir honte de moi. Ça fait longtemps que je pense à ça, mais je sais même ce que je vais leur dire. Je vais leur dire, jugez-moi tant que vous voulez. Tant que vous voulez. Mais ça, là, c'est héréditaire. Ah, moi aussi, comme mes enfants, j'étais très cute quand j'étais jeune. T'as pas l'air de me croire? Moi, vous le prouvez. Ça, c'est moi, première journée d'école, toute cute, toute fière, remplie d'espoir. J'attends l'autobus. Ça, c'est moi, secondaire 5. L'école a gâché ma vie. Tu sais, il y en a qui vieillissent comme un bon vin, moi, j'ai bouchonné. Hey, j'ai même du gras dans les lobes d'oreilles. Puis tu vois que mon plan de me camoufler en toile de fond a pas fonctionné. Ça, c'est moi quasiment tout nu sur une moto. Ça, je sais pas c'est qui. Je sais pas comment j'ai fait pour la convaincre de rider topless en arrière de moi. J'ai la bonne attitude hein, pour être en bedaine sur Harley. On dirait que je dis à ma mère, attends-moi pas pour souper, j'amène Nancy manger aux danseuses. Je me souviens que ma mère m'achetait des poupées des fois quand j'étais jeune. Ça, c'est ce que je faisais avec. Qu'est-ce qu'elle me faisait peur, celle-là? Elle saignait des yeux! Je sais pas c'est quoi qui est le plus inquiétant, hein, que j'aille pendu mes poupées ou que ça me rende crissement heureux. Bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. On est sur un terrain de soccer, y a pas de ballon, juste des gars avec des shorts beaucoup trop courtes. Tu vois ça de nos jours, quelqu'un appelle la police? Je suis stressé, hein? C'est sûr, je fais pas dans la gang, mes shorts sont bien trop longues! Puis il y a comme un mauvais pli, on dirait que je viens de rencontrer une araignée banane.
veux-tu bien me dire, lui, ce qu'il a nous flashé son cul? Puis le petit gars avec la casquette des expos, il est clairement en bobette. Puis il est en train de convaincre l'autre petit gars d'enlever son pantalon. Ça, c'est moi avec l'homme le plus mince au monde. Son père aussi, il est sa photo juste là. Ça, c'est moi en train de m'amuser, je présume. Ça, c'est le rôle d'un parent de t'enlever de là. Moi, ils sont allés chercher l'appareil photo. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Moi, sur un tank, c'est-tu possible d'avoir de l'air moins masculin à côté d'un aussi gros canon? La réponse est oui. Première communion, j'ai 8 ans sur la photo. Ça, c'est le sourire d'un petit gars qui dessine beaucoup de pénis. Pré-adolescence, je me souviens qu'à cette époque-là, je rêvais d'avoir une barbe, mais j'étais pas capable. Fait que je m'étais fait pousser une moustache sur la tête. Carte officielle, secondaire 4, séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Bizarrement, je me faisais jamais écœurer. Probablement que tout le monde pensait que j'étais la madame de la pastorale. La photo est bien croche, sa carte. Clairement, le gars qui l'a collé a ri tout le long. Oh. Je comprends rien aux proportions de mon corps. Mes jambes sont bien trop longues par rapport à mon tronc. Le bat est bien petit par rapport à mon cul. J'ai 10 ans, j'ai la chèvre de quelqu'un qui se remet en forme après sa grossesse. Puis il y a comme un visage en avant de mon pantalon. Elle a la face! La photo officielle des Astros de Trois-Rivières, moi je suis là. Et comme tu peux voir, j'essaie très fort de ressembler au gars au-dessus de moi. Si je me souviens bien, lui en haut, c'était pas le plus vite de l'équipe. Parce que t'as remarqué, là, on jouait pour les Astros, lui, il jouait pour les Stros. Ça, c'était un no-coach, lui, il savait que c'était la photo d'équipe ce jour-là. Il a décidé de s'habiller de même avec un chandail de golf humoristique puis des bas gris dans des sandales. Ça, c'est ma cousine Marie-Pierre. Ben non, Chris, ça c'est encore moins. Qu'est-ce que c'est ça, cette position-là? On dirait que ma grippe après ma cuisse pour pas tuer le chien sous mon poids. Le chien qui a pas le goût d'être là, hein? En fait, personne n'a le goût d'être là. Même les gars de Metallica sont en tabarnak d'être dans ma chambre. L'adolescence a pas été facile. La vingtaine non plus. Je te garantis que tout de suite après la photo, ça a déchiré juste là. J'étais tellement gros, ça, si t'as pas des poneys, si t'as des chevaux. Mais à l'âge de 27 ans, j'ai fait un gros régime, puis j'ai perdu 60 livres. Je suis passé de ça à ça. Merci. J'étais tellement fier de moi. Mais je la montre rarement, cette photo-là. Parce qu'il y a une crise de gros problèmes ici. C'est le plus gros cameleton de couilles de l'univers! On dirait que mes shorts sont sous vide! Tu sais, quand tes couilles font de l'ombre! Je sais même pas où mon pénis! J'étais tellement cute quand j'étais jeune! C'est en vieillissant que ça s'est gonché! Soyez-vous un petit 5 minutes. Ah, j'ai eu beaucoup de plaisir avec vous. Merci.
En début de tournée, je recevais beaucoup de messages. Les gens voulaient savoir si c'est des vraies photos de moi. Oui, promis juré, il n'y a pas de Photoshop. Mais les gens voulaient surtout savoir si c'est des vrais dessins que j'ai faits à l'âge de 8 ans. Oui. Qu'est-ce que c'est inquiétant? T'as clairement en détresse, puis tout te rit tout le long. Je me souviens que je rêvais de faire un dessin animé avec mes super-héros, là. Parce que c'est des super-héros, tu sais. Mais j'avais 8 ans, j'avais pas le budget, tu sais. Maintenant, je l'ai! Mon petit cadeau avant de partir, bon visionnement! Ça fait trop mal. Je vais appeler un taxi. Taxi! C'est moi ta mère! C'est moi ta mère! C'est le bordel dans ta chambre! Ton lit est pas fait! Comment ça se fait que ton lit est pas fait? J'ai fait le ménage, le repassage, puis tes souliers sont encore dans l'entrée! C'est quoi ça? Reste derrière moi, je m'en occupe. Hé! Hey, y a quelqu'un de trop dans cette ville. Je vais lui régler son compte. Oh my God! Je te regarde, là. T'es-tu allé te faire terrifier le grain de café? Oui, madame! Bonne nouvelle! Depuis que nous avons uni nos forces, le crime a diminué de 90% dans la ville. Je suis incapable de t'écouter. Ton pénis n'arrête pas de couler. Oh oui, il coule. Et chaque goutte remplit l'océan d'amour que j'ai pour toi. Oh non! C'est super, maman! La ville a besoin de nous! Je suis Superman, le plus fort au monde, avec son pénis. Ah! As-tu vu la grosse graine? Ah! C'est celui avec la suspension en pénis. C'est qui ce sauveur casqué?